Habari ya kushinda? Asante. Merci beaucoup. Nous sommes passés ici avec ma délégation à l'issue d'une longue tournée dans le cadre des plans et des programmes que nous avions établis avec tous les pays voisins. Il s'agissait de faire face de manière concertée au terrorisme. Et le terrorisme a pris un caractère transnational, un caractère sous-régional. Il attaque tous les pays de la sous-région. Et nous nous sommes dit que c'est le moment, conformément aux recommandations de l'Union africaine, de mutualiser nos efforts pour faire face à ces mâles qui freinent le développement. Outre cette planification, cette préparation contre le mal du terrorisme, nous avons fait aussi le tour d'horizon de la situation qui se passe le long de nos frontières pour mutualiser les efforts et empêcher que les forces négatives ne puissent déranger nos propres frontières pour l'intérêt commun et conformément aux vœux de nos chefs d'État qui veulent que les relations entre les voisins puissent être de très bonnes relations, de manière à ce qu'on favorise le développement de notre pays ainsi que l'amélioration des conditions de nos populations respectives. Disons que pour l'instant, les accusations sont fusent de partout et nous avons laissé le temps aux commissions spécialisées, les services de sécurité, aux mécanismes conjoints de vérification qui va faire son travail et nous donner des précisions sur les uns et les autres pour qu'on connaisse la vraie vérité pour prendre des dispositions idoines. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est très inquiétante. Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Wang Xia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière Assemblée générale. Discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. Et donc la réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment
les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Et donc, nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre d'un côté la RDC et les autres pays clés de la région des Grands Lacs. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADC, la CIRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des acteurs, des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc, nous avons tenu à rassurer Monsieur le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, il a indiqué que cette entrevue, intervenant à la fin de l'année en cours, a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022. La Banque mondiale félicite la République démocratique du Congo pour ses grandes réformes permettant le pays de se mettre sur la voie de la relance de l'économie nationale. Ce sont les propos du vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe, Hafez Ghanem. Il a été reçu ce jeudi 11 novembre 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie du vice-président régional de la Société financière internationale en mission conjointe à Kinshasa. Objectif de la mission, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Notre objectif, c'était vraiment de voir avec le gouvernement congolais et avec son Excellence le Président de la République les priorités de développement économique et ce que nous pouvons faire pour soutenir le Congo et pour soutenir le programme du gouvernement. Vous savez que l'économie mondiale a été négativement impactée par le Covid-19 et l'impact du Covid. Mais nous voyons aujourd'hui que le Congo est en train de reprendre la voie de croissance et nous sommes là aussi pour être de bons partenaires. On a parlé surtout avec son Excellence le Président de la République de notre programme d'investissement dans les infrastructures, dans les routes, dans l'électricité, dans l'économie digitale. On a aussi parlé de l'éducation et le développement. La coopération entre la RDC et l'Union européenne se porte bien. Cette organisation des États européens annonce un appui au secteur judiciaire, à la police et aux forces armées. À la période allant de 2021 à 2025, dans les provinces de l'Ituri, de l'Équateur et du Kasaï. Objectif, contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Un montant de 55 millions d'euros est déjà disponible pour cette fin. Un bureau d'assistance technique pour la mise en œuvre de ce programme sera installé à Bounia dans les tout prochains jours, a promis l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantigny, au cours d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Concrètement d'un certain nombre de programmes que nous souhaitons mettre ici en place pour accompagner le rétablissement de l'autorité de l'État en Ituri. Nous allons avoir des programmes en matière de justice, en matière de police, en matière d'appui aux forces armées et nous avons choisi avec le gouvernement congolais que l'Ituri soit une des provinces prioritaires de notre action de coopération en matière de gouvernance. Parlant de la situation sécuritaire de l'Ituri, le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC a salué les efforts fournis par les forces armées pour imposer la paix en Ituri. C'est une province qui est affectée par des groupes armés avec beaucoup de victimes et c'est pour moi l'occasion de marquer la solidarité de l'Union européenne, des peuples européens avec le peuple congolais, avec le peuple itourien qui fait face à ces atrocités. C'est aussi marquer le soutien au FRDC, au gouvernement, au gouverneur,
pour l'action qu'il mène pour lutter contre ces groupes armés. Signalons que l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a visité le militaire blessé de guerre interné à l'hôpital général de référence de Bounia, une manière pour ce diplomate de témoigner de sa compassion envers ces militaires qui ont versé leur sang pour défendre le pays. Il s'appelle Serge Sekabo, 30 ans révolu, général autoproclamé de la milice FP communément appelée Chinia Kilima, ce chef rebelle arrêté par les forces de défense et de sécurité au quartier Kindia en ville de Bounia, était à la base de plusieurs attaques en territoire du Rumu, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Il est l'auteur des attaques sur Nyakunde Marabo, ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées, en ville comme en brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations, mais aussi à cette période, nous avons ravivé nos services de renseignement. Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, preuve d'une bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité. Toutefois, le lieutenant Gilles Ngongo souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au FARDC de détruire complètement tous les réseaux criminels en cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, à collaborer à dénoncer tous les malfrats qui sont parmi nous. Et voilà, aujourd'hui, Serge, autoproclamé général Malaïka, des groupes armés Chinia Kilima, est dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ses actes. Après sa présentation au gouverneur de province, le lieutenant général Boyan Kachamadjoni, ce chef de file des miliciens FPIC, a été mis à la disposition de la justice militaire.